Bonsoir à tous. Dans cette capsule, nous allons faire une petite étude de la molécule de l'ATP, l'adénosine triphosphate. Alors, on va faire les caractéristiques de cette molécule et comment la cellule l'utilise pour générer de l'énergie. Alors, tout d'abord, vous avez la formule chimique de l'ATP. C'est vraiment à retenir. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la molécule contient à la fois des atomes de carbone, alors donc qui sont numérotés 1', 2', 3', 4' et 5', et vous pouvez aussi remarquer la présence d'atomes d'hydrogène. À partir de cette analyse, on peut déjà dire qu'il s'agit d'une molécule organique. Bien évidemment, on remarque de plus que cette molécule contient des groupements phosphates que nous allons bien évidemment analyser dans cette vidéo. Cette molécule est composée d'une base azotée, petit a, un sucre, un pentose à 5 carbones, petit b, et trois groupements phosphates, encore appelés groupements phosphoryles, petit c. Alors, donc, une molécule formée d'une base azotée, plus un pentose et un groupement phosphoryle, est appelé un nucléotide. La base azotée de l'ATP présente deux cycles. Il s'agit d'une base azotée purique. La base azotée, petit a, est une adénine, qui est la seule base azotée ne contenant pas d'oxygène. Le pentose, indiqué par le petit b, il s'agit du ribose, et l'association de la base adénine et du ribose constitue un nucléoside. Alors donc, le nucléoside formé par l'adénine et le ribose, un tel nucléoside est appelé adénosine. Donc, l'ATP est formé d'une adénosine associée à trois groupements phosphates. Elle est appelée adénosine triphosphate par l'abréviation ATP. Les trois groupements phosphates nommés alpha, bêta et gamma. Remarquez qu'ils sont porteurs de charges négatives. Ils ont tendance à se repousser les uns les autres. La molécule d'ATP a la particularité de présenter deux liaisons covalentes riches en énergie qui sont les deux liaisons phosphoanhydres. Les deux liaisons phosphoanhydres sont entre les phosphates alpha et bêta et entre le phosphate bêta et gamma. Ces liaisons sont instables. Cette instabilité est due à cause des charges négatives
La rupture de ces liaisons par hydrolyse va libérer de l'énergie. Ce n'est pas le cas pour la liaison phosphoester qui lie le phosphate alpha au sucre, le ribose, donc par l'intermédiaire du carbone 5'. La liaison phosphoester n'est pas une liaison riche en énergie, comme par exemple comparée aux liaisons phosphoanhydres. La formation des liaisons phosphoanhydres va consommer de l'énergie, alors que la rupture d'une telle liaison va libérer de l'énergie. La molécule d'ATP portant quatre charges négatives, on peut l'écrire ATP 4 moins. Donc, l'ATP est une petite molécule polaire, hydrophile et chargée. La bicouche lipidique des membranes, lui donc imperméable. L'ATP est une molécule énergétique qui contient de l'énergie chimique qui est contenue dans la molécule. Donc, c'est la molécule énergétique universelle de la bactérie à l'homme. C'est la forme d'énergie directement utilisable par la cellule, par les cellules. Alors, c'est-à-dire que tous les micro-organismes prokaryotes, à savoir les bactéries jusqu'aux organismes pluricellulaires, les prokaryotes dont l'homme fait partie, donc utilisent l'ATP, cette molécule qui contient de l'énergie chimique pour les processus métaboliques de ces organismes ou micro-organismes. Notez bien que l'ATP ne présente pas une réserve d'énergie pour la cellule. L'ATP est une molécule continuellement consommée et continuellement régénérée. Alors c'est très important. On remarque bien évidemment au niveau de la cellule qu'il n'y a pas de réserve d'ATP. Au contraire, les molécules d'ATP formées sont utilisées. Et automatiquement, par des processus, il y a un renouvellement de cette molécule. À l'intérieur de la cellule, il y a un cycle continu au cours duquel la molécule d'ATP se forme par phosphorylation, puis au cours duquel l'ATP est consommé par hydrolyse. L'hydrolyse de l'ATP va consommer une molécule d'eau. Donc, lors de l'hydrolyse, il va y avoir une rupture d'une liaison riche en énergie, précisément la liaison entre le phosphate bêta et le phosphate gamma. Alors, donc, lors de l'hydrolyse de l'ATP, donc comme vous pouvez vous remarquer, il y a rupture de la liaison entre le phosphate, le groupement phosphate bêta et gamma, ce qui donne ce groupement qui sera par la suite un groupement PI, le groupement phosphate inorganique, et bien évidemment la formation de l'ADP, adénosine diphosphate. Alors donc la molécule qui résulte de l'hydrolyse de l'ATP, donc c'est de l'ADP, et c'est une molécule qui va comporter trois charges négatives. Et comme je vous ai dit, libération d'un groupement phosphate appelé phosphate inorganique.
Donc, la molécule d'ADP est plus stable que la molécule d'ATP. Alors, par cette réaction d'hydrolyse, la molécule d'ATP va libérer de l'énergie qui est utilisable par la cellule. Alors donc, comme vous pouvez le remarquer par ce petit schéma qui met en évidence cette réaction d'hydrolyse de la molécule d'ATP, donc, vous pouvez parfaitement voir ici la rupture de cette liaison phosphoanhydre qui est riche en énergie. Donc une molécule d'eau qui intervient dans la réaction va former l'ADP, adénosine diphosphate, un groupement phosphate inorganique. Et bien évidemment, nous verrons dans les capsules après que la molécule d'ATP, par le phénomène de la phosphorylation, en génère de l'ATP à partir de l'ADP.